Liam accusé d'avoir enlevé son fils, Mick l'a fait de nouvelles révélations glaçantes. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Ce mardi 15 novembre, le riche homme d'affaires Vincent Mickler a partagé un message à charge contre son ex-compagne Yem Noor, la mère de son fils Evan. Lundi matin, après avoir déposé mon fils à l'école américaine, sa maman Yem Noor en complicité avec sa mère Farida l'a enlevé de l'école sans mon consentement, a-t-il d'abord expliqué, mort d'inquiétude. Jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons aucune nouvelle de Evan, a-t-il précisé, avant d'ajouter qu'une plainte a été déposée aux autorités marocaines. D'après les dires de Vincent Mickler, son fils, dont il aurait la garde, se trouverait toujours sur le sol marocain. Désemparé par la possible disparition de son fils unique, l'ancien compagnon de Yem Noor a demandé de l'aide aux internautes pour tenter de retrouver l'enfant. Quiconque puisse le voir ou le localiser, veuillez s'il vous plaît m'en informer. Merci, a-t-il conclu. Pour l'heure, Yem, fraîchement recruté par Mathieu Delormeau dans son émission TPMP People, n'a pas réagi à ces graves accusations. Alors que Vincent Mickler n'a toujours pas retrouvé son fils, il continue de proférer de graves accusations à l'encontre de son ex-compagne sur les réseaux sociaux. Dans sa story Instagram, il a ainsi relayé un long message dans lequel il est expliqué ce qui aurait fait dégénérer la situation entre les parents d'Evan. Même s'il n'a pas lui-même formulé ces mots, se contentant de les reprendre, il a ainsi accusé Yem Noor de s'en prendre à leur enfant car il aurait cessé de lui verser de l'argent. Elle vient d'enlever son fils et a complètement disparu à Marrakech depuis que Vincent Mickler a décidé de lui couper sa petite pension de 5000 euros avec laquelle elle paie ses dettes et sa maison de campagne. Comme vous le savez tous, elle est à terre financièrement, sa seule source de revenus est la pension. Peut-on lire dans le message relayé et approuvé par l'homme d'affaires. Un règlement de comptes en public qui fait froid dans le dos.